سلطان الله ربي أنت سلطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدد يا سيدي يا رجال الله، مدد يا صاحب الإمداد، مدد الحق شيخ محمد الشام الكباني، مدد يا سلطان الله يا شيخ محمد لازم الحديث الحقاني مدد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bienvenue à l'hôpital international de Maulana Cheikh. Welcome. Comme il le dit, notre cher, cher Mohamed Nazim al-Hadid Hakan, Allah élève son secret. Amen. Il disait toujours bienvenue à l'hôpital international. Il dit, ne regardez pas les gens assis ici, ils sont tous malades. Ils viennent tous avec leur dragon. Et un jour, j'étais dans sa présence, il a pris une canne. Il dit, je les tue avec cette canne. Les gens qui viennent avec leur dragon. Tant aussi longtemps, il nous enseigne que tant aussi longtemps que l'humain a son ego, il est malade. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin, Sayyidina wa Nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Maulana Cheikh, Cheikh Hicham, l'élève, il donne longue vie en santé, et qu'il nous donne aussi longue vie en santé d'être avec lui dans sa compagnie, et dans la compagnie des Awliya. Il nous a recommandé de parler des choses de ce qu'il dit. Et ne soyez pas surpris parce que j'ai un gros livre, parce qu'il m'a demandé de toujours parler de ce qui a été dit. L'islam est à propos de la grandeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas parler de l'islam sans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas parler de l'iman sans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas parler de l'ihsan sans parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas parler de la tariqa, de la haqiqa, de la marifa, de la azima sans parler de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas parler de la création sans parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans la sourate Al-Nisa, verset 64? Oh, vous, si vous vous faites du tort, vous venez voir qui? Sayyidina Rasoul. Je lui demandais pardon et je lui demandais pardon pour vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a conditionné son pardon au pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, on a tous beau parler des belles choses, de toutes les connaissances qu'on veut aller chercher, et de tous les savoirs qu'on veut prendre dans l'islam, nous ne pouvons pas sortir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous devons parler de quelque chose, ça doit être Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas autre chose. La prière, oubliez ça. Le jeûne, je l'ai dit, oubliez ça. Parce que on le fait avec des contraintes. On le fait de façon automatique, sans amour.
Alors que qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit? Ma fraîcheur, les fraîcheurs de mes yeux sont dans la prière. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons se diriger vers celui que Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Il l'a élevé si haut qu'il a placé son nom à côté de son nom. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes de Sayyidina Adam alayhi salam jusqu'à Sayyidina Isa alayhi salam ont tous témoigné La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est de là que Allah subhanahu wa ta'ala, comme Maulana Cheikh il dit, leur prophétie a été, ont été stampées. Alors, c'est lui, Al-Sirat, le pont. C'est lui, Al-Sirat al-Mustaqim, le droit chemin. Alors, si nous voulons venir dans cette présence divine, en disant La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Allah ne s'est pas limité à La ilaha illallah seulement. Il a dit Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Maulana Cheikh nous enseigne que nous ne pouvons pas mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si on le mentionne 100 000 fois, 1 milliard de fois, si tu n'ajoutes pas Muhammadun Rasulullah, ça veut dire que c'est comme si tu n'as rien fait. Et c'est Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est la clé pour ouvrir illallah. Et Allah lui a donné cette particularité et singularité. Il est unique. Il est Ahmad. Il est unique. Il est la création. Comme il est dit dans une narration, j'ai été créé quand Adam était entre l'eau et l'argile. J'ai été prophète. Et il a dit, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qui a été créée, c'est ma lumière. The first thing was created by Allah subhanahu wa ta'ala was the light of Prophet sallallahu alayhi wa sallam. He is Al-Habib. From that light, everything come from that. Toute chose qui va être créée et qui sera créée vient de cette lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste imaginez un peu ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, c'est la lumière de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans chaque chose. Chaque chose, Rasulullah est dedans. Ça veut dire que si on fait face à quelqu'un ou à une créature, en tant qu'Ahlul Soufa ou les gens de la Tariqa, entre guillemets, we have to see everyone like they have the light of Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Every human being, every creature we meet, they have the light of Prophet sallallahu alayhi wa sallam. That's why we have to respect everyone. C'est pour cela que nous devons respecter chacun, chaque créature, chaque personne. Pourquoi? Parce que chaque chose porte la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prenez ces créatures. Chaque créature, mettez-les ensemble. Ça forme quoi? Une création. Et cette création, c'est Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, Sayyidina Uyasil Karani, Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, Sayyidina Ali, radiallahu anhu. Ils ont dit, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette manière. Every single thing you meet, or you see, or you don't see, they have the light of prophet sallallahu alayhi wa sallam. Il est le pont entre Allah et ses créatures. Et nous ne pouvons pas prétendre venir dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala sans passer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun prophète. None of them can claim to come to the presence of Allah subhanahu wa ta'ala without Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Even they say, Awliya, Sayyidina, many Awliya, they were saying, Sayyidina Musa alayhi salam was speaking to Allah. They say, no. He was speaking to Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. This is not my saying. It's Awliya. Because Allah subhanahu wa ta'ala will never accept anyone to come in His presence without passing through Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Why? Because He put His name near to His name. So that's make Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam great. C'est pour ça, ça qui met la singularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut chercher le paradis, tous les musulmans ou tous les croyants qui croient n'importe quoi au jour du jugement, nous tous, on veut atteindre ce paradis. Qu'est-ce qu'Allah il a dit? Dans les paradis, on dit il y a une clé. In the paradise, they have a key. You have to open. And who is the key? Miftahul Jannah. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We want the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voulons la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-miftahul rahmah. Rahmatalil alamin. Nabiul rahmah. We want us from Allah subhanahu wa ta'ala to forgive us. Right? Yes. But Allah says, I sent someone, his name is Nabiul Tawbah. Go to him. Anything you want in this dunya and akhirah, go to Prophet sallallahu alayhi wa sallam. I give him everything. Because Allah subhanahu wa ta'ala doesn't need anything. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. That's why we have to go. To go where? To go to Prophet sallallahu alayhi wa sallam. How Allah subhanahu wa ta'ala forgive Sayyidina Adam alayhi salam? Because he asked Allah bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We are lucky to be in the Ummatu Rasul. What we have to do to say Ya Rabbi Allah Alhamdulillah wa shukranillah. Thank you to make me one of Ummah to say all prophets without all of them from Sayyidina Adam alayhi salam to Sayyidina Isa alayhi salam, Maulana is teaching us all of them was asking to be in the Ummah to Rasul. Tous sans exception ont demandé d'être dans l'Ummah to Rasul. Qu'est-ce que le prophète Allah il a dit? No. Why we are doing Salatul Ibrahimiyya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Why we are doing? Because Sayyidina Ibrahim asked Allah subhanahu wa ta'ala, I want to be in the Ummatu Rasul. Allah said, no. Ya Rabbi Allah, if I cannot be, so make please for Ummatu Rasul sallallahu alayhi wa sallam, not forget me. That's why we are making these salawats. This was saying by Sayyidina Sheikh Abdullah Fazi Dagestani. And we are in that ummah. All Prophet was asking to be there. But Allah chose us because He loves us. And we say Alhamdulillah. We don't care about what is going in the akhirah. Because our care is about Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulullah Shafa. We are going, asking Allah subhanahu wa ta'ala and asking Prophet sallallahu alayhi wa sallam to make shafa, to intercede for us. That is our key. C'est ça notre clé. Allah say, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Oh, croyant, lui en tant que Allah subhanahu wa ta'ala is making salawat. Et quand le croyant entend ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We are asking Allah subhanahu wa ta'ala to pray on the prophet. In Arabic, they say, Allahumma. How many letters you take the ha-mim out is Allahu. Right? And the come joined, what? The mim. Allahu Muhammad. And awliya, they say, if anyone want to see Prophet sallallahu alayhi wa sallam, make that zikr, Allahu Muhammad, Allahu Muhammad. And you will see Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma. The meme is representing Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And the Allahu is Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala make us to be in that. And we are asking Allah subhanahu wa ta'ala to all the time making salawat. Because Allah subhanahu wa ta'ala said, if you make one salawat, I will make 10. You make 10, I will make 100. You make 100, I will make thousands. And this has to be our daily awrat. Ya Rabbi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. If it's too long, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Because Allah subhanahu wa ta'ala is asking us to pray, and to us to pray on Prophet sallallahu alayhi wa sallam. He is only himself can pray on Prophet. Il est le seul à prier sur le Prophète. So, tout ce que nous demandons, Allah a conditionné vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est l'intercesseur par excellence. Il est celui que le jour du jugement où tous les prophètes de Sayyidina Adam alayhi sallam à Sayyidina Isa vont se réunir avec leur umma et venir dans la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulallah, demande que Allah nous fasse miséricorde. Et nous nous sommes dans ça. On n'a rien espéré. Ils nous ont choisi, ils nous ont mis. Ça, c'est l'amour. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Rien. La seule chose qu'on veut de plus, on dit, Ya Rabbi, Allah, prie sur le prophète. Oh Allah, prie sur le prophète. Oh Allah, élève le prophète. Oh Allah, prie sur le prophète. Oh Allah, élève le prophète. Ça doit être notre prière constante parce que nous sommes chanceux d'être dans sa umma. Et nous serons, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa umma va rentrer au paradis. Allah nous a pardonné bien avant qu'on vienne ici. Allahu Akbar. Subhanallah, cher. Qu'est-ce que tu veux de plus? Yani, Allah t'a dit déjà, je vous ai pardonné avant que vous veniez ici. Hein? À cause de qui? Sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, on a beau regarder, faire chercher autre chose. Chercher juste le prophète. Et tous les awliya qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, ont tous cherché, c'est de la rassurer. Ils ont cherché le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils ont trouvé le prophète, ils ont trouvé Allah. Et celui qui veut trouver Allah, c'est comme tu prends la pierre, on dit au Mali, tu jettes au soleil. Est-ce que ça va atteindre? Non. La calligraphie qui est là, est-ce que la calligraphie connaîtra celui qui l'a fait? Jamais. Il ne connaîtra jamais celui qui l'a fait. Et comment nous on peut prétendre connaître Allah? Comment on peut prétendre aller vers Allah? Il faut aller vers celui qui est le pont entre Allah et nous, qui est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons une dette envers lui. Cette dette, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de prier sur le prophète. C'est ça notre dette. Et Allah prie sur le prophète, il a dit, juste demandez-moi. Et moi-même, je prierai sur vous. Cher, ça c'est cerise sur le gâteau, cher. Il te donne le gâteau, après il met la... Comment il est là? Ça c'est sur le gâteau. Khalas, qu'est-ce que tu veux? Et demande-moi, et je prierai là encore pour toi. Demande-moi encore, je prie encore pour toi. Demande-moi, et je prie encore.
décidé maintenant. Et imaginez la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous et sur nos familles. On ne voit pas l'importance et la manifestation de cette prière sur nous. Comme dit Maulana Cheikh Hicham. Parce qu'on est aveugle. Mais on le verra dans notre temps. On le verra à Yom Al-Qiyamah. Ya Rabbi Allah, nous te demandons par la grâce du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'illuminer nos cœurs de son amour, de l'amour de Awliya Salihin, l'amour de nos mashayikh. Ya Rabbi Allah, nous te demandons pardon par la grâce de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous te demandons, Ya Rabbi Allah, de nous guider sur le droit chemin, de nous éloigner de tout ce qui nous éloignera de toi, de nous guider de tout ce qui nous guidera vers toi. Ya Rabbi Allah, protège-nous contre nous-mêmes, Ya Rabbi, protège-nous contre la dunya, protège-nous contre le shaitan, protège-nous contre nos mauvaises manières, protège-nous contre les mauvais djinns, Ya Rabbi, contre les mauvaises personnes, Ya Rabbi Allah, protège-nous, Ya Rabbi Allah, accorde-nous l'amour de ton bien-aimé. Accorde-nous l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour en finir, Maulana Cheikh nous demande, celui qui veut réellement, qu'il demande même ne serait-ce que deux rakats. Il demande, Ya Rabbi Allah, je viens vers toi pour mettre l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans mon cœur. Mais non. Il a dit, nous sommes là à demander money, 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 dollar, 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 euro, 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 boulot, 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 boulot. Allah, il a dit, cette vie ne vaut même pas d'être d'un moustique. Qu'est-ce qui est la chose la plus valeureuse aux yeux d'Allah? Il faut juste poser la question. On va aller chez notre cela. What is the most valuable thing in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala? He said, this dunya, whatever is contained, nothing. What else? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la chose la plus valeureuse. Alors si c'est ça qui Allah aime le plus, nous devons aller vers lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Il nous guide sur le droit chemin. Par la baraka de notre cher Cheikh Mohamed bin Nazim al-Khadi al-Hakan et par la baraka de notre imam de la tariqa, Shah al-Nakhshiban, ila hadratin Nabi al-Fatih.